Avec le réchauffement climatique et la montée du niveau des océans, en tant qu'architecte et avec d'autres architectes, nous essayons d'apporter des solutions progressivement. Je suis architecte océanographe, passionné par le monde océanique et le monde de l'espace. Ces habitats de demain pourraient être flottants au cœur d'un atoll, c'est ce que j'ai proposé pour la Polynésie française. Certains de ces atolls vont être immergés, et donc c'est de maintenir ces peuples sur leur lieu ancestral au cœur de ces atolls grâce à ces habitations flottantes. Suborbiter est la synthèse de tout ce que j'ai pu faire au cœur des océans. C'est un vaisseau d'une nouvelle génération pour explorer en continu le monde sous-marin. Avec un équipage de 18 personnes à bord, dont je ferai partie, on pourra donc sortir directement de Suborbiter à moins de 12 mètres de profondeur, quelles que soient les conditions de mer quasiment.